Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue sur la page Harmony Scrap. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, bonjour Valérie, coucou Laurence. Super, je vois que vous arrivez tranquillement. Coucou ma Cathy chérie. Excusez-moi, bonjour Marie-Jo. Coucou Monique, salut ma Fabienne, Isabelle, Laetitia, coucou ma Sandrine, Fabienne, Maroutine, Cécilia. Bonjour Isabelle, bienvenue d'Alsace du coup. Coucou Dominique, bonjour Corinne, Martine, Pascal, coucou Mému, Mélanie. Ah super, super de retour avec vos filles, doudou, merci beaucoup. Coucou Muriel. Isabelle, pas de problème. Coucou Émilie. Coucou Tonton. Bonjour Viviane. Bienvenue tout le monde. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Hello Fatou. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. Coucou Maude. Coucou Sandrine, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme en ce mercredi après-midi. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous accueillir, de vous retrouver. Regarde dans les commentaires Fabienne, tu vas voir. coucou Kelly. Alors, bah déjà, bienvenue à toutes celles et ceux qui ont l'habitude de me rejoindre le mercredi après-midi. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois. J'espère que vous passerez un bon moment. Chaque semaine, je propose un live créatif à 14h. Merci Isabelle. un live créatif à 14h tous les mercredis après-midi. Voilà, on se retrouve pour un petit moment tranquillement entre nous. Et puis, je vous propose un projet différent chaque semaine. Je suis Harmonie Marais et je suis démonstratrice chez Stampin' Up! Depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Bonjour, bonjour, bienvenue tout le monde. Super. Bien, alors dites-moi, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez droit à un petit peu de soleil? Ce qui fait pas très chaud, mais du coup, moi j'ai un petit rayon de soleil, du coup ça fait du bien, ça donne la pêche. Bonjour Alexandrine, comment vas-tu? Coucou Marianne. Hello Lucie! Super! Bonjour Flo! Super, super! Bien, bah écoutez, je vous propose de démarrer. Il y a plein d'infos cette semaine, vous le savez, hein, c'est un petit peu le top cette semaine. Coucou Aurore! Gris! Oh Émilie, je suis désolée ma belle! Ouais, mais il fait froid, hein. Ouais, on est d'accord. Donc plein d'infos cette semaine, c'est la sortie de notre magnifique catalogue annuel dont on va pouvoir tranquillement profiter pendant un an. Bonjour Claude, bienvenue. Et ça, c'est du pur bonheur. Voilà, vous avez pu commencer hier à faire vos commandes et puis du coup, vous allez pouvoir avoir toute une année pour pouvoir vous faire plaisir. Sandrine, bon courage pour le boulot. Ouais, c'est vraiment, vraiment la fête. On va pouvoir voilà, partager plein de choses autour de ce catalogue. Plein de rendez-vous sont prévus. Et puis, pour ne pas bouter notre plaisir, Stampin' Up! En plus nous fait plein de cadeaux ce mois-ci. Donc, du coup, c'est top. Voilà, je pense que rien de plus à dire. C'est super. Amusons-nous, prenons le temps, découvrons et puis partageons toutes ces bonnes nouvelles. Sandrine, l'autre Sandrine te propose de faire une pause déjeuner plus longue, pourquoi pas? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choix dans ce catalogue, mais l'avantage, c'est que, effectivement, vous allez pouvoir en profiter sur une année. Donc, prendre le temps de découvrir, toutes ces belles choses, voilà, avec plaisir. À cette occasion, vous le savez, j'organise des portes ouvertes que, je modifie un petit peu. Donc, c'est sur un groupe privé, Facebook.
Donc si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Il s'appelle le groupe Portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap. Vous avez des petites questions à remplir, s'il vous plaît. Pensez bien à le faire, sinon je n'accepte pas, je ne fais pas rentrer les personnes si elles n'ont pas répondu aux questions. C'est très important, s'il vous plaît. Et puis du coup, vous verrez, c'est un petit peu la fête sur le groupe en ce moment. J'ai lancé un petit jeu qui éclate pas mal les participants, en tout cas, ça a l'air. Et puis voilà, je propose une alternative à ces portes ouvertes. On prend vraiment le temps. Mais du coup, je vous invite à rejoindre ce groupe, du coup, pour découvrir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et puis, donc, je vous parlais hein, de Stampin' Up qui propose des super promos. Donc, la première déjà, c'est si jamais vous avez envie de devenir démonstratrice et de profiter aussi de tout ça. Martine, je compatis avec ton banquier, vraiment, je compatis avec toi. Ça va le faire, t'inquiète pas. Oui, sur le groupe des portes ouvertes, il y en a qui s'éclatent pas mal, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est assez drôle. Merci Kelly, je les ai piqués à ma fille. Donc voilà, si jamais il y en a parmi vous qui sont tellement passionnés par le scrap, ont envie de rejoindre Stampin' Up ou en faire une activité tout simplement, et puis partager avec moi tous ces magnifiques produits et puis cette superbe aventure, et ben écoutez, c'est, je pense, le bon moment, puisque pendant un mois, Stampin' Up vous offre en fait pour votre kit de démarrage, vous choisissez un panier d'une valeur de 207 euros et vous n'en payez que 129. Donc c'est plutôt pas mal. Oh merci Émilie, c'est mignon tout plein ça. Coucou Coco, ça va ma belle? Donc voilà, ça c'est une super promo. Et en fait, je vous ai préparé, je pense que ça peut en intéresser certaines, je vous ai préparé, attendez, je sors de là, hop, un visuel avec deux sortes de paniers, en fait, pour que vous ayez une idée concrète de ce à quoi correspond cette fameuse somme de 207 euros. Donc j'ai imaginé un premier panier si vous êtes débutante en fait et que vous n'avez pas encore beaucoup de matériel. Et voilà en gros ce que vous pouvez acquérir pour ces 207 euros. Donc vous avez déjà un maximum de matériel technique, pratique, hein, comme le coupe-papier, les ciseaux, le double-face, le touche-à-tout par exemple. Et puis vous pouvez ajouter ce que j'appelle un peu les produits plaisir. Donc là, en l'occurrence, la collection dépensée. Voilà, ça c'est une première idée, un premier visuel que je vous ai préparé. Et puis il y a aussi le panier pour celles qui ont déjà le gros équipement de base, on va dire. Et voilà aussi, voilà, ce que j'appelle donc les fameux produits plaisir, si jamais vous avez envie de sauter le pas et de rejoindre mon équipe. Voilà, pour 207 euros, vous n'en payez que 129. Et voilà par exemple le style de panier que vous pouvez avoir avec cette somme. Voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous donne un peu plus une idée de ce que ça peut représenter. Donc si jamais vous voulez que je réponde à vos questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à harmoniescrap@harmoniescrap.fr ou m'appeler, mais vous avez toutes mes coordonnées sur le blog ou sur ma page Facebook. Et il y a une autre offre. Et là, c'est lorsque vous passez vos commandes ou simplement lorsque vous, par exemple, vous me réservez un atelier, vous êtes hôtesse et du coup, vous êtes avec quelques copines et vous faites vos commandes groupées, vous les faites ensemble. Et du coup, bonjour Pascal, bienvenue. Et du coup, ça vous permet de grouper vos commandes et si vous êtes hôtesse, vous atteignez un certain palier. Et Stampin' Up a rajouté un palier supplémentaire et vous offre en plus des cadeaux pour 27 euros de cadeaux à choisir en plus. Donc ça, c'est un vrai bonheur aussi. Et du coup, c'est pareil, je vous ai préparé. Alors, vous avez, bougez pas. Celui-là, hop, ça c'est le tableau où vous voyez le palier supplémentaire des 275 euros a été ajouté, donc vous avez droit à 10% de prime créative et Stampin' Up vous offre en plus 27 euros de cadeaux supplémentaires. Et ça dure jusqu'au 14 juin.
Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et puis là, même principe, je vous ai préparé un petit visuel pour que vous vous rendiez compte de ce que représente, donc, par exemple, 54 euros de cadeau. Voilà, vous avez droit à tous ces produits-là en plus. Et ça, c'est vraiment top. Coucou ma Laurence, bonjour Vanessa. Coucou Amandine. Voilà toutes ces belles infos. Et puis, il y a une autre info que je garde pour la fin. Lorsque nous aurons vu ensemble le projet d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est une petite surprise. Voilà. Alors, le projet de cette semaine, c'est donc une petite boîte à double tiroir. Un projet assez original, mais vous allez voir, il est très simple. Très simple. Hop, le voici. Alors, peut-être qu'avec ma lumière, vous voyez pas très bien. Voilà. Elle se présente ainsi. Et donc, vous avez deux petits tiroirs ici, dans lesquels vous pouvez ranger des petites choses ou simplement l'offrir à quelqu'un en cadeau. Bonjour Marie-Pierre. Gros bisous Flo, bon courage. Voilà. Donc ça, c'est le projet que nous allons réaliser ensemble. Et vous le voyez, c'est un projet que j'ai réalisé avec une de nos nouvelles collections du catalogue annuel, les fameuses pensées qui ont l'air de vous plaire beaucoup. Et moi aussi, je vous l'avoue. Je vous propose que je retourne ma caméra et du coup, on va pouvoir découvrir la collection et démarrer le projet ensemble. Alors, c'est parti, je bascule et voilà. Alors, cette fameuse collection des pensées est vraiment super belle. Je fais ça, hop, parce que mes cheveux m'agacent. Ah oui, Cathy, c'est vrai, tu peux pas, toi. Ah, la plaie, ça, c'est vraiment pas cool, hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé que tu sois dans mon équipe. Voilà, la fameuse collection des pensées. Amandine, il devrait pas tarder, il est parti, hein. Alors maintenant, il faut croiser les doigts pour que la poste fasse son boulot. Il tombe de la glace en Alsace? Mon Dieu. Mais quelle horreur. Alors, vous avez ici le visuel que j'ai préparé avec le magnifique papier design pétale de pensée que vous trouverez à la page 28 de votre catalogue. Coucou Patricia, je suis contente de vous voir ici. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, à chaque fois, vous avez les papiers qui fonctionnent deux par deux, recto verso. Recto verso systématiquement. Voyez comme c'est beau tous ces papiers pleins de couleurs, vous avez vu? Et du coup, ici, j'ai ajouté toutes les couleurs unies qui sont coordonnées avec ce fameux papier design. C'est beau, hein? Je suis sûre que ça vous plaît. Voilà, c'est vraiment absolument magnifique. Bien sûr, comme à chaque grande collection, sont associés. Oh, merci Amandine. Arrête, tu vas me faire rougir du coup. En plus, j'ai chaud, alors ça va monter trois fois plus vite. Sont associés avec les grandes collections, bien sûr, des sets de tampons, des poinçons qui sont juste magnifiques. Je vous montre ça tout de suite. Et là, c'est pareil, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez clair. Les personnes qui ont suivi ma première partie de Portes Ouvertes connaissent déjà ce visuel. C'était pour montrer un petit peu comment tout ce montage peut se faire. J'en ai même fait la démonstration en vidéo. Donc, si ça vous dit, rejoignez le groupe des Portes Ouvertes Virtuelles by Harmony Scrap. Et du coup, vous pourrez voir le replay de la vidéo où je fais toute la démonstration du montage de ces fameuses pensées. Du coup, avec le live de lundi, j'ai ajouté à ma wishlist. Ah, bah écoute, Émilie, super. Oui, la page 28, Martine, c'est tout à fait ça. Voilà, donc vous avez des magnifiques poinçons qui sont ici. Vous avez tous les tampons. Attention à la page 28 de votre catalogue, les sentiments sont en anglais. C'est une petite erreur d'impression. Je vous confirme qu'ils sont bien en français. Vous voyez ici, donc je les ai un petit peu ajoutés un peu partout. Voilà les messages qui sont inclus donc dans le set de tampons. Vous voyez, ils sont bien en français. Donc
pas d'inquiétude si vous hésitiez vous étiez un petit peu refroidi par la langue, c'est bien en français. Voilà. Bien. Bah écoutez, je vous propose maintenant, après toutes ces belles paroles, que nous commencions notre live créatif. Et pour cela, vous aviez dans l'événement la liste du matériel dont vous aviez besoin. Si vous avez pendant le live des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les poser. Dans un premier temps, si ça concerne les mesures, par exemple, j'ai ma petite Sandrine chérie d'amour qui est là, donc qui pourra vous les mettre en commentaire. Martine, ça dépend de l'option que tu auras choisie, mais chut, j'en ai pas encore parlé. Coucou Gwen. Donc pour les mesures, posez vos questions dans les commentaires et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire, voilà, en cours de route, si ça vous plaît, si vous aimez, ce que vous préférez. Voilà, on échange, il n'y a pas de souci. Ça marche? Alors, on y va, c'est parti, je fais un petit peu de place et nous allons démarrer. Donc je vous remontre une fois la boîte, voilà, ici il y a un petit tag qui est caché. À l'intérieur, bougez pas, je vais essayer de le. Est-ce que le zoom va le prendre? Non, il a décidé de pas vouloir le zoom aujourd'hui, mais c'est un petit tag qui est caché donc à l'intérieur de la boîte dans lequel vous pouvez mettre un petit message et donc les fameux tiroirs. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Les tiroirs ne sont autres que des petites boîtes à faire toutes simples. D'accord? Et puis après un entourage, vous allez voir, rien de très compliqué pour la réalisation de cette boîte. Alors, c'est parti, on y va. Je prends mon coupe-papier ici et on va refaire le point, bien sûr, sur nos mesures. Je me bats un peu avec mon espace de travail, mais ça va le faire. Merci Laurence, c'est trop gentil. Alors, hop. Je mets ça de côté, je mets ça de côté. Voilà, j'ai préparé tous mes papiers avec mes mesures. Oui, le papier Vichy, il est très sympa. D'ailleurs, tu vois, je vais en utiliser encore aujourd'hui. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va? Si le live vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur vos pages, vos profils, pour inviter vos amis à participer. Bien. Alors, il manque un petit peu de lumière ici. Bah oui, je comprends que c'est dur de ne pas scraper, ma petite Laurence. Mais t'inquiète pas, sois patiente, ça va venir, ma belle. Bonjour Karine. Alors, je vais d'abord prendre mon papier uni avant de prendre les papiers design. Chaque chose en son temps. Voilà. C'est parti. Alors, je vous redonne les mesures. Deux fois, trois fois deux papiers unis. Le premier. Donc là, ça va être pour faire les tiroirs. Il vous faut deux morceaux de papier uni qui mesurent 12,7 par 12,7 fois 2. Et donc là, je travaille avec la couleur Corail Calypso. C'est un combo de couleurs que j'ai fait pour mes portes ouvertes et que j'en suis tombée fan. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais la réutiliser. Donc 12 par 7. 12,7 par 12,7 et il vous en faut deux morceaux. Ok? Ensuite, deux autres morceaux de papier uni. Coucou Lucie! Celui-ci, ces deux morceaux-là seront pour les entourages des tiroirs. Vous allez comprendre après. Il vous faut deux morceaux de 23,6 par 7,6. 23,6 par 7,6. Ok? Et encore une fois, deux autres morceaux qui, eux, serviront en fait à l'entourage total de la boîte. Et ces deux morceaux de papier uni, bonjour Martine, mesurent 24,1 par 7,6. Et encore une fois, il vous en faut deux. Ok, c'est bon pour tout le monde? Alors, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons créer nos tiroirs. Donc je prends les deux morceaux de papier uni de 12,7 par 12,7 et je viens tout simplement faire des plis tout autour à 2,5 cm. Donc là, je vais me positionner sur la droite puisque c'est plus facile pour tenir le papier. Hop, voilà. Et je viens faire un pli à 2,5 cm. Et on fait ça sur les
quatre côtés, donc je retourne, sur les quatre côtés de nos deux morceaux de papier. Cathy, t'es une vraie chipie. Je retourne à nouveau. 2,5. Hop. Et à nouveau, 2,5. Voilà. On n'a pas besoin de faire d'autres plis que ça pour nos tiroirs. Donc, je, comme vous l'ai dit, je viens faire la même chose sur le deuxième carré. Donc, des plis sur les quatre côtés à 2,5 cm. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui scrapent en même temps que moi. N'hésitez pas à me dire, mais surtout aussi, si vous vous sentez un petit peu dépassé, pas de panique. Vous retrouverez à la fin du live le replay qui sera sur ma page, qui sera sur mon blog, sur YouTube. Et vous aurez aussi sur mon blog toute la fiche technique avec les schémas, les mesures. Vous aurez tout ce qu'il vous faut, donc pas d'inquiétude. D'accord? Oui, je sais, il y a beaucoup de mesures, je suis d'accord. Donc, nos plis sont faits pour nos tiroirs. Tant qu'on est en train de faire des plis, on va continuer. Cette fois, je vais prendre hop, les deux morceaux de papier unis qui vont nous servir à faire les entourages des tiroirs. Donc, les morceaux de papier qui font 23,6 par 7,6, et il y en a deux. On y va. Alors, je viens faire un premier pli à 2,7. Hop, 5, 6, 7. Premier pli à 2,7 cm. Genre, l'excuse de Sandrine pour dire que non, ben non, je la ferai après. Coucou Annie, comment ça va? Oui, en replay, bah, pas de problème. Du coup, profitez tranquillement. C'est une super idée. Le deuxième pli à 10,5. Donc, le premier à 2,7, le deuxième à 10,5. Bienveillance et partage, marque de fabrique d'harmonie. Oh, c'est gentil ça, Gwen. Merci beaucoup. Je vais devenir de la couleur de mon papier si vous continuez. 10,5. Le troisième pli, je le fais à 13,2. 13,2. Ça, oh, Martine, oh, vous êtes trop mignonne, merci beaucoup. Et le dernier pli à 21 cm. Donc je répète les quatre mesures. 2,7, 10,5. 13,2 et 21 cm. Ok? Et je fais ça hop, sur mes deux morceaux de papier qui font 23,6 par 7,6. Cathy, je te jure. Donc c'est reparti. 2,7, 10,5. 13,2 et pour finir 21 cm. Donc ça on a dit, ce sont les deux parties pour les entourages des tiroirs. Je vous montrerai comment on les monte évidemment. Et on va terminer avec nos plis, avec les deux autres morceaux de papier unis qui font 24,1 par 7,6, toujours deux morceaux. D'accord? Qui vont servir à faire l'entourage ici de la boîte. Hop. Et nous allons venir tout simplement faire le même style de pli que ce que nous venons de faire. Mais évidemment, vous vous en doutez, les plis ne seront pas tout à fait identiques. Le premier est à 7,8. 7,8. 12,9 et 19,5. Hop.
Et on fait ça également sur le deuxième. Donc ça me permet de répéter les mesures. 7,8, 12,9, 19,5 pour finir. Et voilà. Hop, je peux maintenant mettre mon coupe-papier de côté. Hop. Bougez pas. Voilà. Alors, j'ai tous mes morceaux de papier unis. Oui, ma Béatrice, pas de problème. Prenez le temps, regardez tranquillement et puis du coup, vous refaites un replay après, il n'y a pas de problème. Vu qu'en plus, vous aurez, comment dire, vous aurez la fiche technique après si vous voulez, ça sera tout aussi facile pour le faire. Hop, voilà. Alors, bah, dans un premier temps, je vais venir marquer les plis que je viens de faire, donc avec mon plioir. Alors, est-ce que celles et ceux qui sont en train de réaliser en même temps y arrivent? Tu me fais trop rire, Sandrine. Voilà, donc on vient marquer tous les plis de nos tiroirs. Bonjour Frédéric, bienvenue. Hop, voilà. Tant que j'y suis, je viens marquer les autres plis des autres morceaux de papier. Voilà. Cali, ça roule? Bon, c'est super alors. Tant mieux. Hop. Voilà. Je viens marquer tous les plis. Fabienne, je te jure. Je sais, toi, tu fais après aussi. Mais ça me fait plaisir que tu sois là. Elle est là, ta petite Léa, du coup? Oui, t'es au chômage technique, Sandrine, pour l'instant. Mais il faudra redonner les mesures de papier design après, ma belle. Hop, voilà. Et je termine les plis. Oui, Muriel, pas de souci. Bon courage pour le boulot, ma belle. Hop, et on arrive au bout. Voilà, tout est en double, en fait. Hein, donc, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est pas super compliqué. C'est vraiment pour tous les niveaux. Puis du coup, ça donne un effet quand même super sympa, je trouve. On verra après, il y a un pli qui se fera dans l'autre sens pour l'entourage de la boîte, mais on verra voir ça après. Déjà reparti? Ah bon. Alors, on commence par les tiroirs. On va faire les découpes, et puis Sandrine, prépare-toi, c'est bientôt l'heure du papier design. Je vais chercher un Red Bull. Qui a dit je vais chercher un Red Bull? Je prends donc mes tiroirs. Officiellement, tu bosses. Chut, on dira rien, t'inquiète. Bonjour Dominique. Donc, on a nos plis. Hein, ça forme des carrés aux quatre coins, aux quatre extrémités. Ça forme des carrés, voilà. Et je viens simplement désolidariser ici. Ici également. Et je vais venir biseauter mes petites languettes. Voilà. C'est simplement pour que ce soit plus esthétique et plus facile à fermer. Hop, je fais pareil ici. Coucou Sandrine, comment allez-vous? J'ai plein de Sandrine. Donc j'ai mon papier comme ça, je le retourne comme ceci et je fais exactement les mêmes découpes. Je désolidarise ici, face à moi. Et je viens biseauter les languettes. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Et bien sûr, nous faisons exactement la même chose sur le
Deuxième tiroir. Ce qui va devenir le deuxième tiroir. Hop, voilà. Donc c'est reparti. Je désolidarise ici. Il y a trop de Sandrine. Mais non, il n'y a jamais trop de Sandrine. Hop, voilà. Je biseaute mes futures languettes. Ici et là. Voilà. Je retourne mon papier. Donc cette partie-là, je la mets à l'opposé de moi. Et je viens couper et biseauter mes languettes. Comme ça, là. Voilà. Ok, super. Alors, maintenant, oula, j'embarque tout. On va s'occuper de la déco de ces petits tiroirs dans un premier temps. Hop, j'enlève ça. Alors, pour cela, dans la liste du matériel, coucou Maddy, bienvenue. Dans la liste du matériel, vous aviez besoin de 10 morceaux de papier design, tout petits, vous voyez, qui mesurent 7 par 2. Et il vous en faut 10, 7 par 2 centimètres. Ces morceaux de papier vont servir à décorer les contours de nos tiroirs. Je vais vous montrer, hop, sur le modèle. Donc vous voyez, il y a les quatre côtés. Et puis il y a un autre pour cacher, hop, le double face qui sert à maintenir le ruban. Je vais vous montrer tout ça. Mon ruban est là. Ok, donc 7 par 2 et il vous faut 10 morceaux. Donc je les retourne et là en fait j'ai juste besoin de les coller. Donc c'est pas très compliqué. Hop, donc je viens coller sur les extérieurs. Oui, les mesures sont assez faciles là. Alors, oui, effectivement, j'ai mis sur la liste, j'ai mis j'ai mis 8, effectivement. Les deux autres sont optionnels parce que vous allez voir que sur ma boîte de départ, mes tiroirs de départ, en fait, je n'en ai pas mis ici. Et c'est une erreur de ma part. Ça se décolle, ça? Là. C'est une erreur de ma part parce que c'est pas très esthétique, on est d'accord, hein. Donc, 8 pour vos deux tiroirs, pour la décoration extérieure de vos deux tiroirs. OK. Et deux autres, si vous le souhaitez, pour cacher en fait votre ruban à l'intérieur de la boîte. Tout simplement. Mais c'est optionnel, c'est vous qui voyez. Donc, je continue. Donc là, je colle les morceaux de papier design sur l'extérieur de mes tiroirs. Voilà. Là, du coup, vous allez avoir le temps, hop, d'avancer aussi. Parce que le temps que je colle tout ça, hop, 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 c'est parti. Alors, en attendant, moi, j'aimerais bien savoir, je suis assez curieuse, pour celles et ceux qui ont le catalogue dans les mains, dites-moi quelle est votre collection préférée. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de collections. Mais alors du coup, quel est votre plus grand coup de cœur dans ce catalogue? Celui, la collection qui vous a fait flasher tout de suite quand vous l'avez vu. Dites-moi. Voilà. Cathy, ça suffit. Tu arrêtes de te moquer de moi, s'il te plaît. C'est pas gentil. Fabienne, encre animée. Martine, les pensées. Sandrine, croquis au jardin. Tout ça, elles sont toutes magnifiques, hein. Ça, je suis bien d'accord.
Émilie, encre animée, ouais, ça tu m'avais dit aussi, je me souviens. Gwen, éloquence simple. Cathy, éloquence simple. Monique, les pensées. Cécilia, la page 68. Claude, les pensées. Karine aussi. Bon, bah ça tombe bien aujourd'hui alors. Aurore, pareil. Nickel. Muriel, les pêches. Ouais, je les ai pas encore. Je les ai commandées. Ça devrait arriver bientôt. Alors, attendez, bougez pas, excusez-moi. Ah, si, c'est bon. J'ai mon livreur EPS qui arrive. Mais du coup, Lilith y est allée. Les pensées, plantes épanouies, ma rutine. C'est vrai qu'elle est magnifique, cette collection. Les coquillages. Oui, Dominique, mais ça, c'est une collection de l'ancien, enfin, du mini catalogue janvier et juin. Là, on parle plus de l'annuel, le nouveau qui vient de sortir, ma belle. Ok, bien, j'ai collé tout ça, on va avancer parce que du coup, sinon, je vais encore vous prendre pendant des heures. Alors, vous avez vu sur mes tiroirs, j'ai mis un petit morceau de ruban. Alors ça, c'est pareil, c'est optionnel, hein. Vous pouvez aussi choisir de mettre, par exemple, une attache parisienne ou un petit bouton. Là, vous allez vraiment voir ce que vous voulez faire. Moi, je vais partir toujours sur cette idée de mettre un petit ruban. Oui, Coco, pas de problème. Gros bisous, ma belle. Bah moi j'aime tout. Je sais même pas lequel commander en premier. Ah bah oui, Laetitia, va falloir faire un choix. On ne fait pas attendre le livreur UPS. Bah non, c'est clair. Surtout qu'on ne laisse pas repartir avec le carton en fait. Ça va pas le faire. Surtout que dedans, c'est peut-être vos cadeaux pour le code hôtesse du mois d'avril. C'est fort possible. Alors, donc. Je prends mon crayon de papier, je prends ma petite règle. Je vais simplement me faire une marque. Donc, je vais choisir l'ouverture de mon tiroir. Et pour me faciliter le perçage, en fait, pour rentrer mon ruban, je ne trouvais plus le mot, je vais juste me faire une petite marque pour trouver un petit peu près le centre. J'ai un problème avec ma chaise encore. Voilà, j'ai ma chaise qui descend toute seule. C'est moins pratique quand on a le plan de travail qui nous arrive là. Ok, donc je suis à 7,5. Je viens faire une petite marque environ à 3,75. Voilà. Hop. Et puis ici, je suis à 2,5. Donc à peu près 1,25. Donc je sais que mon trou va venir à peu près ici. Je fais pareil sur l'autre. Il passe combien de fois par semaine le livreur UPS ou par mois? Ma routine, ça dépend. En début de mois, il passe souvent parce que du coup, il y a mes commandes et puis il y a les vôtres, il y a vos cadeaux hôtesse, il y a plein de choses. Donc voilà. Donc là, la semaine prochaine aussi, je pense qu'il va venir souvent. Parce qu'avec toutes les commandes que j'ai dû passer. Oui, non, mais c'est ridicule cette chaise, mais je suis allée confortable. Mais j'ai l'air bête parce que très très souvent, en fait, je descends. Voilà. La pression se relâche et du coup, je me retrouve à descendre toute seule. C'est ridicule. Hop. À peu près 1,25, j'étais pas mal. Voilà. Et du coup, je prends la machine de guerre et je viens faire un petit trou. Fatou, bah oui, les collections, elles sont juste magnifiques, en fait. Hop, voilà, un petit trou à peu près centré pour que ce soit plus joli pour faire entrer mon ruban. Voilà. Alors, on va faire ça avant de monter le tiroir, ça sera plus facile. Donc là, en fait, en termes de mesure de ruban, pas plus de 6 cm, hein, parce que du coup, après, ça va trop dépasser. Hop. En replay, oui, Sandrine Ligné, il n'y a pas de souci, pas de problème, avec plaisir. Je rentre mon ruban dans le petit trou. Hop. Je me munis de mon double face pour le faire tenir. Je coupe un petit bout, hein, tout simplement. Voilà, pour le caler à l'intérieur.
Hop. Voilà. Comme ceci. Je fais pareil avec l'autre morceau. Est sûr que Jay est parti chez Harmony. Non, non, il est pas là. Il est en train de finir son déménagement. Si ta chaise continue à descendre, tu vas finir par disparaître du petit écran. Moi, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui m'arrive souvent, en fait. C'est voilà. C'est pas pratique, mais je veux dire, elle est confortable, alors bon. Et voilà. Hop. Pour le deuxième. Donc là, c'est le magnifique ruban incolore papaye pâle, dont la combinaison, je trouve, avec le corail calypso est juste magnifique. C'est vraiment super beau. Voilà. Je viens coller mon petit morceau. Hop, de double face. Et du coup, pour celles qui le veulent, vous pouvez donc rajouter les deux autres morceaux donc, qui n'étaient pas dans la liste. Et j'en suis désolée, de 7 par 2 pour venir cacher en fait notre ruban ici. Donc vous avez vu, rien de compliqué dans tout ça. Je vais quand même ajouter un petit peu de colle. Youpla. Savez quoi? Avant de coller le papier design, on va coller nos petites languettes. Comme ça, on pourra faire d'une pierre deux coups et cacher en fait les languettes à l'intérieur. En même temps, ça sera beaucoup plus esthétique. Donc, on prend ou de la colle ou du double face et on vient mettre cet adhésif sur l'extérieur des languettes et on vient coller comme ceci, on colle les languettes à l'intérieur. Voilà, on s'assure que ce soit bien droit pour que ce soit propre. Merci Maroutine. Tu parles de quoi? De l'idée de cacher avec le double face ou non, avec le papier design, tu veux dire? Ah, du coup, on fait d'une pierre deux coups, on cache un petit peu les languettes. Hop! Voilà. Comme ceci. Et là, ensuite, on va pouvoir ajouter le petit morceau de papier design. Merci Annie. Voilà. C'est parti. Comme ça, on cache tout. Hop. On cache une partie des languettes et on cache le ruban. Et en plus de le cacher, ça lui fait un petit maintien supplémentaire pour quand on ouvre et qu'on ferme le tiroir. Voilà. Hop, comme ça, ni vu ni connu, c'est nickel. Notre petit ruban est maintenu. Et c'est super. Je vous demande 3 secondes. J'ai mon ordinateur qui va se couper. J'ai oublié de déplacer la prise. Et du coup, si je ne branche pas, on va se retrouver sans connexion. Voilà! Je vous ai perdu, je suis désolée, ça y est, hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon, vous êtes bien là. Je suis désolée, j'ai eu un petit bug avec mon ordinateur, j'ai eu la bêtise d'oublier de rebrancher mon chargeur. Et voilà.
En soi, c'est pas compliqué. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas méchant du tout. Tout est ok, c'est bon. Ouf. Je suis désolée, j'ai eu un bug. Du coup, j'avais plus rien à l'écran, donc je me suis dit, ça y est, je les ai perdus. Alors, j'enlève ça avant. La petite partie de mon double face quand même. Voilà, je colle mes petites languettes. Et je rabats tout ça proprement. Yes. Voilà, je viens cacher l'intérieur. Et nos petits tiroirs seront prêts. Voilà. Et Cathy, j'ai vu passer un de tes messages, du coup, pour mettre sur tous les bords pour renforcer. Oui, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez aussi choisir de décorer les bords intérieurs aussi. Hein. Et voilà. Donc là, nous avons nos deux tiroirs. Non, je suis sûre qu'elle n'est pas loin, t'inquiète. Alors, je prends maintenant ces morceaux de papier uni qui faisaient 23,6 par 7,6, ceux où nous avons fait 4 plis. Et en fait, je vous montre, ils vont servir en fait à entourer nos tiroirs, comme ceci. C'est de là en fait que nos tiroirs vont sortir. Oui, ma routine, effectivement, ça peut aussi servir de calendrier de l'Avent. Donc, quand vous allez poser cet entourage, assurez-vous de plusieurs petites choses. La première, quand vous allez rabattre, à ce que ce soit toujours dans le même sens. Donc, soit vous mettez celui du dessus par-dessus ou à l'intérieur, mais en tout cas, assurez-vous que pour les deux, ça soit dans le même sens. OK? Donc voilà comment ça va se présenter. On l'entoure comme ça et on va venir coller ici sur le côté. On fait pareil pour les deux. Sauf qu'il y en a un qui va, lui, être sur le dessus des tiroirs. Hop. Donc ils vont venir se mettre comme ça l'un sur l'autre. D'accord? Donc on va les coller. Et ici, sur le tiroir du dessus, j'ai donc ajouté un petit morceau de papier design, vous voyez, qui est collé là sur le dessus, que je vais coller simplement sur trois côtés. Coucou Nathalie! Oui, tout le monde va bien, Nathalie, merci beaucoup. Bon courage à toi, ma belle. Donc voilà qu'on va coller que sur trois côtés pour pouvoir cacher un peu notre petite étiquette qu'on va mettre dedans. Ok? Voilà. Donc, je prends mon entourage. Je viens coller ma languette. Voilà. Je décide que celle de dessus passe par le dessus, comme ceci. Et je fais attention de... On n'est pas obligé de serrer comme des sauvages pour que le tiroir rentre bien. Hop. Pour que le tiroir glisse plutôt, pardon, excusez-moi. On aligne bien les bords. Et voilà. On a une petite marge, mais c'est fait exprès, hein, pour que ça puisse bien se déplacer. Ok? Donc, je fais pareil sur le deuxième. Et donc, ma fameuse petite pochette, le papier design, mesure 7,3 par 5,1. Donc là, je considère que ça va venir sur le dessus. En fait, je vais la coller ici, juste sur trois côtés. Donc je vais mettre un fin trait de colle sur les trois côtés. Je ne prends pas de double face puisque là, il fait 1 cm de large. Donc voilà, je ne veux pas forcément que ça prenne tout. Je veux pouvoir avoir la place de mettre mon petit tag. Hop.
Donc, je prends mon papier avant de le coller. Je sais que ça vient là. Et je viens coller mon morceau ici, plus en retrait vers le bas, dans le principe de cacher un petit peu le futur tag qui va arriver. Voilà. Et je reprends mon tiroir. Hop. Et je viens coller sur le côté. Alors c'est vrai que c'est un live qui est un petit peu plus long aujourd'hui. C'est toujours un peu le cas quand c'est une boîte un petit peu plus... Alors je ne vais pas dire élaborée parce que là il n'y a rien de compliqué. Mais bon, voilà. Quand on fait un petit peu plus, là c'est un peu plus actif qu'une carte. J'espère que je vous ennuie pas et j'espère que ça passe et que vous passez quand même un bon moment. Voilà. Nickel. On va laisser tranquillement le temps que ça prenne. Et du coup, on va venir coller maintenant les deux tiroirs l'un sur l'autre, tout bêtement. Ok? Donc, je viens mettre ma colle. Ça va, vous êtes bien? Ah, super. Ouf, ça me fait plaisir. On fait attention de les mettre dans le bon sens, nos tiroirs, hein, tous les deux, avec le ruban au bon endroit, ou l'ouverture dans le même sens. Et je viens, hop, les coller l'un contre l'autre. Voilà, on aligne tout ça comme il faut. Merci Cécilia. Merci Laetitia, c'est cool. Voilà, on aligne bien, on s'assure que la colle prenne bien. Ah, bah c'est cool, Émilie. Bon, bah nickel, moi ça me fait plaisir. Claude est concentré. Parfait. C'est top. Et voilà, on a déjà nos deux étages de tiroirs qui sont prêts. On arrive au bout. Maintenant, il nous reste... Tadam, nos deux morceaux de papier unis qui, eux, faisaient, je vous rappelle, 24,1 par 7,6 et nous avons fait 3 plis sur ces morceaux de papier. Ils ne sont pas dans le même sens. Voilà. En fait, vous allez voir, il va falloir les superposer. Donc ici, aux deux extrémités, on a les parties les plus courtes. OK? La démonstratrice est au top, on est au chaud, tout va bien. Merci Martine. Donc les deux petites extrémités sont à l'opposé l'une de l'autre. Ok? C'est là, je vous disais tout à l'heure, vous allez voir les deux plis, on va les faire dans l'autre sens. Donc les deux parties ici vont venir se coller l'une sur l'autre. Ça va venir comme ça. Et en fait, c'est ce dernier pli-là qui lui... va se mettre vers l'intérieur. Alors, je vais le faire comme ça, vous allez hop, vous rendre compte. Nos tiroirs vont venir se mettre ici, on va tout coller. Hop. Et voilà, ça va venir comme ceci. D'accord? Ça marche? Ok. On va les garder à plat pour l'instant parce qu'on va mettre du papier design dessus. Dans ces cas-là, pour être sûr de savoir où vous allez mettre votre papier design, je vous invite à vous munir d'un petit crayon. En fait, c'est juste pour pas oublier et pas se tromper au moment du collage. Donc là, on a notre contour de boîte qui est positionné. Donc en fait, c'est les trois parties que vous voyez à l'extérieur qu'il va falloir décorer. Donc, je sais que ici, 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 je vais mettre du papier design, vous voyez, une partie, deux parties, trois parties. Hop, je retourne et ça sera pareil sur l'autre côté. Un ici et un ici. Ok? C'est une petite astuce juste pour pas oublier et pas se tromper et puis se retrouver à essayer de coller un morceau de papier design dans le fond alors que ça sert à rien. Coucou ma petite Manon, comment tu vas? Ok. Donc, mes deux morceaux de papier unis sont ici. J'ai fait mes petites croix. Je sais où je vais coller mon papier design.
Et là, en fait, pour le haut de votre boîte, il y a plusieurs options. J'ai essayé de mettre le cache de mon touche-à-tout dans mes paires de ciseaux, ça rentre pas. Alors, je vous montre quelque chose. C'est ça. Sur ma première boîte, ici, vous voyez la forme qu'elle a. Je l'ai fait avec des poinçons. Le deuxième pli en partant du petit bout doit arriver au ras de la boîte. Je vais te remontrer le montage, Laetitia, t'inquiète pas. Donc là, j'ai utilisé des poinçons. D'accord? Mais je sais que tout le monde n'en a pas. Les poinçons que j'ai utilisés ici, c'est dans le nouveau catalogue. Voilà, il y a plein de sortes de poinçons. Regardez ça comme c'est beau. Ça s'appelle poinçon bordure incontournable. Vous avez quoi de faire des trucs super sympas. Vous imaginez déjà les petits nuages. Ici, là, c'est un petit peu couturé et tout. Je trouve ça trop mignon. Donc, si vous avez des poinçons bordure, vous pouvez parfaitement le faire pour le haut de votre boîte. Et vous allez me dire, ben oui, mais j'ai pas de poinçon forcément. Si vous n'avez pas de poinçon, il y a deux options. La première, vous laissez telle quelle. Il n'y a aucun souci. La deuxième option, c'est si vous avez, par exemple, une perfo qui arrondit les coins. Et dans ces cas-là, vous pouvez arrondir les coins. Je vais vous montrer donc le système avec la perfo. Pour cela, je prends ma perfo trio détaillée. Qui me permet ici, vous voyez, hop, d'arrondir les coins. Mais qui peut aussi faire des jolies découpes et des petits trous. Ça marche? Et tout simplement, bah, je vais venir arrondir mes coins de boîte. Ça donnera un petit côté différent et moins structuré. Hop, voilà. Et je viens simplement arrondir le haut. Donc, des petites parties de mon papier design. Je fais pareil avec la deuxième partie. Voilà. Et voilà. Du coup, c'est tout bête, mais c'est tout de suite un petit peu plus joli. Et si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez aussi tout à fait le faire au ciseau en prenant, par exemple, je ne sais pas, votre rouleau de double face. Hop! Vous le positionnez, vous faites une petite marque au crayon et vous n'avez plus qu'à couper au ciseau. Il y a plein d'astuces possibles. Ok, donc vous avez vu, moi j'ai utilisé la trio détaillée qui est toujours disponible cette année. Ok, donc le papier design maintenant, c'est parti. Nous avons besoin de deux morceaux qui font 7,1 par 5,7. Deux autres qui font 7,1 par 4. Je vais vous les positionner, ce sera plus simple. Voilà. Donc, hop, ils vont là. Et les deux derniers, les trois autres derniers, pardon, 7,1 par 4,9. Et ils vont ici. Et du coup, moi, il faut que je les réduise un tout petit peu les miens. Je n'avais pas pensé à ce détail, parce que j'ai modifié les plis. Et du coup, j'ai peut-être un petit millimètre de trop. Mais vous, sur la fiche technique, ça ira. Et selon les papiers que vous avez, vous ne serez pas embêté, vous inquiétez pas. Voilà, j'enlève un petit millimètre. Je n'avais pas pensé à ce détail. Voilà, donc ça va ici. Du coup, on n'a plus qu'à coller, sauf que si vous avez par contre décidé d'arrondir les coins de votre papier design, n'oubliez pas de le faire aussi sur votre papier uni, n'oubliez pas de le faire aussi sur votre papier design et de le faire dans le bon sens. Ça marche? Donc là, hop. Oui, ma routine. À bientôt, ma belle. Bon après-midi. Voilà, ça viendra ici. Positionnez-le bien avant pour être sûr de le perforer dans le bon sens.
Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à coller nos morceaux de papier design. Voilà. On va faire le même principe que tout à l'heure avec notre histoire de ruban. Donc on va marquer le centre pour pouvoir venir mettre notre ruban. Parce que vous avez vu, j'ai fait un trou ici aussi sur les deux parties. Et j'ai rejoint avec le ruban. Et voilà. Hop, nickel. Alors dites-moi, est-ce que ça vous plaît du coup? Est-ce que votre avancée vous convient? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Dites-moi, dites-moi. Coucou Nathalie, je t'avais pas vue, je sais pas si tu viens d'arriver ou si t'étais là avant, mais coucou ma belle. Il est beau ce papier, hein. Il est vraiment magnifique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans un des papiers design, il y a des poinçons qui vous permettent de découper les fleurs directement dans le papier design et qui vous permet d'obtenir pas moins de 53 fleurs dans la même page. Et notamment, hop, ce papier-là. Vous avez des poinçons qui sont coordonnés aux fleurs et par feuille 30-30, vous en avez 53. Et pareil pour ce papier-là, ici, les poinçons existent aussi pour les feuilles. Et là, vous pouvez en découper par page en 30-30, 143. 113 ou 143? En le disant, j'ai un doute. Enfin, plus d'une centaine quand même, hein, mine de rien. 53 fleurs, ça c'est sûr. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je viens me faire ma petite marque à peu près 1 cm ici. Hop. Ici, à peu près à 3,8. Et pour être sûre de perforer les deux au même endroit pour que ce soit plus joli. Oui, je me suis amusée, Alexandrine, non seulement à les couper, mais en plus à les compter. Je les rejoins, je les aligne parfaitement l'un avec l'autre. Hop. C'est juste pour que ce soit le plus joli possible. Voilà. Et je viens faire mon trou pour passer mon ruban. Voilà. Merci Alexandrine. Ok, donc ça c'est fait. Je vais venir coller donc. Laetitia, c'est pour toi. Tu vois, j'ai les deux grandes parties en bas. J'ai les deux petits bouts ici que je viens de perforer ici. Et ça va venir comme ceci. Ok? C'est bon pour toi? Alors, c'est parti. Je viens coller. Hop, j'aligne hein, pour que ce soit le plus propre possible. Voilà. Et donc, je vais venir coller mes tiroirs. Attention, on met les tiroirs dans le bon sens. Donc, mes tiroirs vont se mettre comme ça. Et du coup, les ouvertures se font sur le côté. On n'emballe pas les rubans à l'intérieur. Ok, ça va donner ça. Donc, je colle dans un premier temps mon ensemble de tiroirs par le fond. Bon, l'avantage de la colle là, c'est que du coup, on peut bouger un petit peu si on a besoin. C'est quand même assez rassurant. Voilà, on s'assure que ce soit bien droit, nickel. Ok, on va être plus haute que l'avant-dernier, puis je vais refaire le papier comme il veut.
Merci Fabienne. Ok Laetitia, pas de problème. Voilà, ça c'est bon, c'est dans le fond. Et la dernière partie qu'on va coller. Hop. Ce sont les côtés. Voilà, juste la première partie, la plus proche des tiroirs. Comme ceci. Pareil, on s'assure que ce soit droit. Hop. Après, si vous... tu sais, Laetitia, si tu as une petite marge de pli, c'est pas très grave, hein, puisque comme de toute façon, ici, c'est juste tenu là, c'est pas très très gênant, hein. Les quelques petits millimètres qui peuvent déborder ne sont absolument pas une contrainte pour le papier ou pour l'utilisation de la boîte, puisqu'elle est hop. Donc là, on peut aider un petit peu les plis. Voilà, après elle est lâche comme ça, donc pas de souci. Ça permet aussi, s'il y a du contenu dans les tiroirs, hop, de laisser un petit peu de marge. Mon ruban, il est là. Et je viens insérer mon ruban pour maintenir les deux parties. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le schéma et les mesures dans la fiche technique. Hop. Voilà. Un petit peu coupé comme ça pour que ce soit plus joli. Et maintenant, on peut se faire plaisir avec la déco. Du coup, j'avais fait ces petites pensées en papaye pâle et corail calypso lors de mes portes ouvertes et je me suis dit, nickel, je vais m'en servir parce que du coup, ce combo de couleurs, je ne m'y attendais pas, mais il est vraiment très sympa. Donc, je vais venir coller ma pensée ici. Je vais venir lui ajouter une petite fleur, feuille, pardon. Voilà. Et puis j'ai la deuxième ici. Vous avez vu comme c'est joli. Ça, vous pouvez le réaliser avec les poinçons. C'est absolument magnifique. Alors, je réfléchis à comment je vais positionner tout ça. Ça peut dépasser un petit peu. Ça me paraît pas mal. Hop, donc je viens coller ma feuille. Existe-t-il des papiers coordonnés avec les tulipes? Non, il n'y en a plus, Martine. Il n'y en a plus parce qu'en fait, les tulipes, à la base, elles viennent du mini-catalogue janvier-juin 2020. Donc maintenant, il n'y a plus que les tampons qui sont dispo, ma belle. Ça fait une petite maison. Oui, c'est vrai, aussi. Je viens coller, hop, ma fleur avec des dimensionnels pour lui donner un petit peu de relief. Hop. Merci Monique. Voilà. Et puis je vais venir ajouter ici ma petite fleur, bébé fleur. Voilà. Et du coup, et il manque mon petit tag, bien sûr. Le petit tag, je l'ai déjà préparé. Ça, c'est pareil. C'est un nouveau point, set de poinçons. À
Annie, c'est pas possible, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Ces tags pour les fans d'albums, par exemple, c'est juste génial. Et même pour les cartes. C'est un set de poinçons qui vous permet de réaliser 8 poinçons avec même la partie œillet qui est parfaitement adaptée. Je vous montre hop, tout ce qui est possible de faire avec ce set de poinçons. Ça s'appelle Étiquette pour tous les goûts et ça, vous le trouvez à la page 166. Et voilà, vous pouvez faire toutes ces étiquettes-là. C'est juste splendide et vous avez à chaque fois les œillets qui correspondent aux formes des étiquettes. C'est vraiment génial. Donc là, ici, j'ai pris hop, celle-ci. Du coup, vous pouvez jouer avec les combos de couleurs et tout. C'est vraiment le top. Vraiment le top du top. Voyez? Donc là, j'ai utilisé un autre set de tampons. J'ai pris Mille Merci Fleury, c'est pareil, il est au catalogue annuel cette année. Hop, avec mille raisons de dire merci. Et j'ai utilisé une petite fleur ici pour agrémenter un petit peu, voilà. Et ici, mon œillet est en corail calypso, le ruban Popeye Pal. Un petit peu de ficelle blanche pour tenir mon petit ruban, parce que je ne voulais pas qu'il soit trop grand. Voilà, et du coup, je peux cacher mon petit tag à l'intérieur de ma petite boîte et il y a une voilà, la personne aura une surprise si je l'offre. Et voilà. Ah bah écoute Mumu, voilà. Super. Et voilà la deuxième version de cette petite boîte à double tiroir. Voilà. On peut y ajouter aussi des petits gemmes, pourquoi pas les incolores par exemple, pour donner un petit peu plus de brillant. C'est joli tout plein cette collection, vraiment, elle est absolument magnifique. J'adore. Et bien voilà, notre petite boîte à double tiroir est terminée. Du coup, on aura pris un petit peu plus de temps que d'habitude. J'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment. Alors, je reviens vers vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. C'était vraiment agréable pour moi. Je n'accroche pas à cette boîte, mais ça reste mon opinion. Pas de souci, Cali. Du coup, voilà, on n'est pas obligé d'aimer à chaque fois chacun des projets. J'ai hâte de la recevoir. Ouais, ça va bientôt arriver. Ou un petit coffre à bijoux pour ma petite fille. Bonne idée, Monique. Avec plaisir, Pascal. J'espère que vous avez passé un beau moment. Je vous avais parlé du coup d'une petite surprise par rapport à cette collection. J'ai proposé donc au mois de mars le printemps créatif. Quatre projets sur quatre lives. Et du coup, je réitère l'opération au mois de mai avec la collection Pétales de pensée. L'envolée créative et du coup voilà les inscriptions sont ouvertes si vous avez envie de me retrouver fin mai pour quatre projets du coup lors de quatre lives sur un groupe privé voilà si ça vous dit vous aurez toutes les infos sur mon blog voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était agréable pour vous. Avec un solitaire dedans, Chouchou a déjà l'emballage. Oui, je vais lui suggérer, ma Fabienne. Vous le savez, vous allez retrouver le replay, la fiche technique sur mon blog, vous aurez les mesures. Donc du coup, pas de souci, vous pourrez reproduire tranquillement cette boîte. Merci beaucoup d'avoir été là cet après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, c'est toujours un bonheur de partager ces lives avec vous. Et puis, du coup, pour celles et ceux qui sont aux portes ouvertes virtuelles, je vous retrouve dès samedi matin, 10h30, pour la découverte d'une nouvelle collection. Voilà!
Je vous embrasse tous et toutes et je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!